Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment fabriquer une commande pour ventilateur 12 volts. Il s'agit d'une commande qui va faire varier la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Il va falloir trois composants, donc un transistor MOSFET, une résistance CTN de 10 kg et une résistance ajustable, alors que j'ai pris une résistance de 1 mégot. Le fonctionnement, il est très simple. Donc, plus on va chauffer la CTN et plus sa résistance va diminuer. Ce qui donne plus de tension aux bornes de la gâche du transistor. Donc, celui-ci va devenir de plus en plus puissant et donc commander le ventilateur. Ici, le brochage du transistor. Alors, en 1, on a la gâche. En 2, on a le drain. Et en 3, on a la source. J'ai reproduit le montage sur une breadboard. Alors ici, j'ai la CTN, la résistance ajustable et le MOSFET. Et j'ai branché un voltmètre aux bornes du ventilateur. Je vais donc chauffer la CTN et on va voir l'évolution de la tension aux bornes du ventilateur. Donc la tension monte et le ventilateur se met en route.